Dans les derniers jours, personne ne dira plus à son concitoyen qu'on est Dieu, car tous bah vous allez enseigner d'ailleurs. Bon enseignant, bon maître Jésus, qui t'a au sala et l'on a instrument à la pourquoi aller là pour bisoto koba vous allez sanctifier, purifier, perfectionner, béni. Nanzela na diroba d'ailleurs, salagno so pour la locum d'ailleurs, la combo de Jésus Christ. Amen. Amen. On a tout ici le prophète et l'on a le traducteur pour nous croiser les jardins de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ abambola moko na moko. Que Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Vraiment, fondimaka ke tango yeba nzambe ozoya kozwa solution. Vraiment, il faut croire que lorsque tu viens auprès du Seigneur, c'est pour tes solutions. Il faut yaka motema mobimba. Il faut venir de tout cœur. Nenginga nazawa nazane siko bon nzambe a boninga isusuna ya na église kaka. Comme moi je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a choisi pour venir à l'église. Devant sa présence par sa grâce. Il lui a plu que je vienne devant sa présence par sa grâce. Et lorsque tu as reçu le temps de la réunion comme pareil, il faut glorifier le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les sept sceaux. Nous sommes en quatrième sceau. Nous sommes au quatrième saut. Le lot aux ans, le 19 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 2021. Et en ligne. Pour ceux qui nous suivent en ligne. Enseignement, toujours en assemblée des saints à Arihuara. Nous tenons notre enseignement dans l'assemblée des saints d'Arihuara. Dans la province de Ituri, dans l'est du Congo démocratique. Dans la province de Ituri, à l'est de la République démocratique. Et que le Seigneur bénisse moko na moko même azolanda en ligne. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun qui nous suive en ligne. En ce temps, nous allons prendre notre texte. Apocalypse 6. Apocalypse chapitre 6. Na verset 7 na 8. Au verset 7 et 8. Nous autant en accompagnant Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pasteur Seba Kalokola ko limbole la biso na lingala na ngolo ya Nzambe. Et le pasteur Seba va nous aider avec la traduction par la grâce du Seigneur. Quand il ouvrit le quatrième sceau, tango afungola kindanga ya minei, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens. J'ai regardé et voici par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui est monté se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les cartes de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse cette lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous savons que le véritable enseignant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne savons rien. Nous aimons toujours céder la place au vrai enseignant qui connaît tous nos cœurs. À chaque fois lorsque nous venons, nous avons besoin de connaître Christ. Nous avons besoin d'écouter Christ Jésus. Comment a Christ crucifié? De voir Jésus Christ au Abakama Kinekulus. La parole que nous avons enseignée. La parole que nous enseignons, bien aimé. Yangonde zope sabiso le salut. C'est elle qui nous donne le salut. David Natanaye. David en son temps. Na psaume 119 azolo baboye. Disait ceci dans psaume 119. Psaume 119, verset 72. Psaume 119, le verset 72. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Malamu ponangai mobeko ya monoko na yo. Que mille objets d'or et d'argent. Nasika na isika ya biloko koto ya wolo tope ya palata. Zwanano mille objets d'or. Prends d'abord mille objets d'or, bien-aimé. Or massif, et que ça n'a pris boni. L'or massif aura mille. Mille objets d'or. Et argent aussi. Et aussi des objets d'argent. Et pour hier, ce monde qui vaut mieux la parole. Mais David voyait mieux vaut la parole que ces choses-là. C'est comme ça un fils du royaume a considéré que la parole mingi, c'est que ma cambonios. C'est comme ça qu'un fils du royaume considère la parole plus que tout. Alobi encore. Il ajoute encore. Toujours dans psaume 119. Toujours dans psaume 119. Verset 14. Le verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Nazali ko sepela nakolandela nakolandaka malakona yo. Comme si je possédais tous les trésors. Lokola na zwaki bozwi nyonso ya mabele. Nazoningo comprendre l'importance à parole d'abord. Je veux que tu comprennes l'importance de la parole. Sokozui ba trésor nion suzana mabele. Si tu prends tous les trésors qui sont sur la terre. Oyo RDC azana yango. Les trésors qui renferment notre pays. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Le Sénégal. Le Sénégal. États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Tous les trésors. Tous les trésors de la terre. Alobi. David dit. Yasepelaka. Na malakoya zambe. Donc lui s'est réjoui en suivant les préceptes de Dieu. Et ça l'a possédé tous les trésors. Comme s'il a possédé tout le trésor. Cela veut dire. Eli koloba. Nenge pola ya koloba. Tout est à vous. Comme Paul avait dit, nyon se zali à bino. Le fait que ça na Christ. Le fait que tu as le Christ de Jésus. Monter manayo elenga makambo ya mabele te. Que ton cœur ne puisse pas trembler devant les choses de cette terre. Les choses de la terre et troubler vie na yo te. Que les choses de la terre ne puissent pas troubler ta vie. Il faut y mettre quand il y a la parole. Il faut savoir que ce que vous avez na liloba. Et ça l'okola osa na trésor. C'est comme si tu possédais tout le trésor de la terre. C'est ça le verset 14 en psaume 119. Et c'est ça le verset 14 de psaume 119. Alors bien le verset 72. David dit au verset 72. Tant mon azo kangamana parole. Lorsque je m'attache à ta parole. Et ça plus que mille objets d'or. C'est plus que mille objets d'or et d'argent. Et moto à comprendre la parole. Et celui qui a compris la parole. Oyo la parole est au Sengaye. Ce que la parole lui recommande. Akolika komilongi sate akokita. Il ne voudra pas se mettre dessus de la parole, il va se rabaisser. Quand la parole est au Sengaye est loco. Lorsque la parole te demande quelque chose. Et lobi ke oyo fo sala yango boye. La parole te dit que tu dois faire ceci. Cette même parole est pour aider yo sokondi miango. Et cette parole va t'aider si tu crois en cela. Mais ce qu'on doutait. Mais si tu doutes. Et Rosungayo te. Cette parole ne va pas t'aider non plus. La parole de Dieu. L'iloba en zambé. Il y a des promesses na katina yango. Il y a des promesses en cette parole. Pour un siècle. Pour
ce siècle présent. Pour le siècle à venir. Et pour les siècles à venir. Et nous connaissons ce que nous avons solution. Lis la parole. Si tu veux avoir la solution à tous tes problèmes, il faut lire la parole de Dieu. Et ça, le chemin où on s'en bâtit dans sa parole. Il y a des chemins que le Seigneur a mis dans sa parole. Pour appeler sa solution. Pour te donner des solutions. Dieu ne mange pas. Savez à cause à côté. Nous sommes les vrais. Tout ce qu'il dit est vérité. Romains 3, verset 4, il dit que tout homme. Azala reconnu menteur. Romains 3, 4 dit Montonio so amona na motalokuta. Ngana za mokos. Moi je suis un menteur. Zambe kakanda za vrai. Dieu seul est vrai. C'est ça Romains 3, verset 4. Et c'est ça l'écriture de Romains 3, le verset 4. La vérité c'est Dieu. Et ce que Dieu a déclaré. Et ce que déclare Dieu. Il faut adorer ça. Il faut l'adorer. Et ça, on sur les chants. C'est comme lorsque je parlais sur les cantiques, les chants. Quand il lit une écriture, ce qui est dit comme mon corps, n'est dit Job 35, verset 10. Comme l'écriture de Job 35, le verset 10. Nazu à mon âme, parce que Nazu un exemple. Job 35, verset 10. Job 35, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Natangi na kombo de Jésus-Christ. Mais il ne dit. Oyo apeme la kabiso loye po ya kitoko na putu. Si tu échantes. Ce qui osali moyem. Ça c'est la parole. Oye sali liloba. Donc ce qu'on aime la parole. Si tu aimes la parole. Le Seigneur a inspiré des chants. Le Seigneur va t'inspirer des chants, bien-aimé. Parce que c'est la parole. Oui, Tesali Liloba. C'est comme ça que ma soi Kaeloko et Panzamé. C'est comme ça qu'on reçoit quelque chose de la part du Seigneur. Donc c'est que. C'est-à-dire, Nakati Nayo, en toi, bien-aimé, ce qu'ils appellent lui demander, et l'on vous donnera. Si le Seigneur dit demande, on te les donnera. Comme c'est la parole des lobbies, le col est sali l'iloban. Yo appliquer la parole. Toi applique seulement la parole. Demande seulement. C'est nakaka molinga mi. Excusez-moi parce que il y a une forte pluie.
Présentons nos excuses à ceux qui nous suivent en ligne parce qu'il y a une forte pluie. Que Dieu soit loué. Zambéa Pambolama. Yamboto Totali Sapoye. C'est pourquoi nous montrons ceci, bien-aimés. La parole de Dieu est la solution à tout. La parole de Dieu a des solutions en toutes choses. Quand l'écriture le dit, lorsque l'écriture dit, Oya ko frappe ba ko fongole lae. Celui, on ouvrira à celui qui va frapper. Crois ça. Dis-moi l'ergo. Et on s'applique cela yango. Et applique cela. Prends le temps de t'adonner dans les prières. Et tu verras les solutions que tu as besoin de les donner. C'est la parole du Seigneur. Et ça dit nous ensemble. Tant qu'on dit mal la parole. Lorsque tu crois à la parole. Mais cette parole est Oya vers you. C'est alors que cette parole va s'approcher de toi. La vie de la parole est en capacité na yote. Ce n'est pas ta capacité. C'est Dieu en toi. C'est pourquoi en lisant 1 Pierre chapitre 4, l'écriture est une solution d'abord boyé. Parce que nous avons besoin vraiment d'exhorter. Parce que j'ai vraiment besoin de t'exhorter. Pour la vie que nous avons sous le soleil. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. Nous prenons le verset 9. Dit le verset 11. Jusqu'au verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Donc, tant que l'écriture est ici, lorsque l'écriture te dit, sachez comment exercer l'hospitalité les uns les autres. Sans murmure. Na kosa ta koyima ima. Salera mon écriture. Applique cela comme le dit l'écriture. Au cosoa récompense. Et tu verras, tu recevras la récompense de cela. Oyambi na yo. Ton hospitalité. Osunga na yo. Donc ta générosité. Si quelqu'un s'approche de toi pour être assisté. Yambaye sans murmure. Accueille sans murmure. L'écriture continue. L'écriture continue en disant. Comme un bon dispensateur de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle. Que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin que toute chose, afin qu'à toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartient la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. On dit comme nous sommes là, chacun de nous a le don ou la grâce de Dieu. Asala yango na nguya oyo zambe. Qu'il puisse le mettre au service des autres selon la force que Dieu lui communique. Et c'est lui aussi qui a le ministère de la parole. A annoncé les oracles de Dieu avec la force que Dieu communique. Glorifiez Dieu.
gloire. Donc, Kembo est à l'attribuer pas à Yemoteïté. Afin que la gloire ne soit pas attribuée à lui qui prêche. Mais pas Yazambé na Kombo na Yesu Christ. Mais à Dieu en Jésus Christ. Donc, le lengue Moko Soki na Zosambé. De la même manière, lorsque je prie, na Zambé na force au Dieu communique. Que je puisse prier dans la force que Dieu me consomme. Si je chante par exemple, n'ayemba avec la force que Dieu communique. Que je chante avec la force que Dieu me communique. N'abîmez là quelque chose dans le territoire mon compagnon qui pèse. J'avais vécu un événement dans un territoire appelé Kimpese. Mutumoko a comment qui dit boma. Il y avait un homme qui était devenu fou. Et ma parent n'a pas été homme d'affaires. Et ses parents étaient des hommes d'affaires. Bazali bata catholique. Ils étaient des catholiques. Mais frère aîné n'a pas quoi à savoir ça mais dans l'église des saints. Mais leur frère aîné priait avec nous dans l'église des saints. Maintenant, papa n'a pas quoi à savoir qui considérait la catholique. Maintenant, leur père était très considéré dans l'église catholique. Azabon ni m'évangile n'a pas été dans un endroit bien. Mais ils ne croyaient pas que notre évangile c'est la voix de Dieu. Dans nos situations comme les bambo. Lorsque cette situation leur est arrivée. Ils ont fait appel au féticheur. Charlatan, mon croyez. Donc un charlatan est venu. Pour ça, la numéro que Iboma est afin de faire des incantations, des enchantements pour mettre fin à la folie. Montanimboma a suivi vous habits. Et le fou lui a mordu le doigt même pour couper le doigt. Et on a même amené le féticheur très vite, alors rapidement à l'hôpital. Le féticheur était venu pour faire des enchantements, mais il a été dans la confusion. À côté hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Alors même fou on a allé qu'on peut tabattre. Et le fou était en train de frapper sérieusement les gens. Maintenant, papa le dit. Maintenant, papa a dit. Et pas frère Nabisso. Il a dit cette adresse à notre frère. Il non pas sans vous a nos commis. Vous, les frères de l'église des saints, vous mettez trop la bouche. Kayamo. Il y a un cas qui est là. On a fait appel aux féticheurs, ils ne sont pas parvenus. Prouvez que vous avez la parole. Mais prouvez-nous que vous avez la parole. Frère, les frères sont venus me croiser. Il fallait que je puisse présider les cultes de ce jour-là. À 15h30. À 15h30. Frère, il y en a 15h juste. Et le frère est venu à 15h juste. Alors, il y a un cas comme casse dans la famille. Il m'a dit. Nous avons un cas sérieux dans la famille. Là-bas, notre frère qui est devenu fou, il crée des troubles. Mais papa n'a dit ça à sa vie. Mais notre papa a défié les gens. Il nous a défié en disant que si nous avons la bonne parole, venez guérir. C'est pas la parole que leur papa avait dit. M'a donné du courage. Je me suis senti vraiment très consolé parce qu'il a défié le Seigneur. C'est ce qui avait fait que le Seigneur puisse agir. Maintenant, avant que je ne sorte de la maison, je dis au Seigneur, il faut respecter le temps du culte. Il faut que je puisse respecter le temps du culte. Le problème est que le temps à 15h. Comme si ça, nous sommes déjà à 15h. Culte est à 15h30. Et que le culte est à 15h30. Bikisa folie wana entre 15h et 15h30. À comment juste. Donne la guérison à ces fous-là entre 15h et 30, 15h30 afin qu'ils deviennent normal. Je vous dis au nom de Jésus, c'est ce que j'avais dit à Jésus. La jeune qui s'agit de la compagnie Yesu, n'est pas Yesu qui Yesu. Alors, vite, ok. J'ai dit au frère, alors. Tantôt qu'il y a un frère. Lorsque nous partions avec son frère. Là, ma frère. Avec le frère de l'église. Donc, comme il y a le pain, on a nous sommes arrivés dans leur propre parcelle. Il y avait beaucoup de gens, mais je ne voyais pas le fou. Mais il était là parmi la foule et il a crié très fort. L'homme de Dieu, je sais que tu es déjà entré dans la parcelle. Mais tout n'a pas tout à voir dans ta forme. Mais interroge à tout le monde ici, je frappe sérieusement. Il ne m'avait pas vu, mais il a parlé. Bon,
mort. Vraiment, je dis la vérité, j'avais eu peur, était un homme. Parce que je savais qu'il venait de frapper les gens ici. Et le féticheur était à l'hôpital pendant ce temps-là. Je sais que tu es déjà en train. Mais range tous ceux qui sont ici. Je frappe sérieusement les gens ici. Alors mon Dieu, pas moi. Alors j'avais eu peur. Mais la voix du Seigneur mais j'ai écouté la voix du Seigneur me dit. Au moment où tu vois pas qu'il t'a reconnu sans qu'on ne te voie. C'est la vérité. Ce sont des esprits qui ont parlé. Et ça dit, il dit, on m'a mis de l'olicati naïe. Très fort. Et directement, je me suis senti encore très fort. Abandon Panzaba. Je vais passer maintenant à disperser les gens. Pour la vie qui est déjà là. Parce que je savais que le Seigneur avait déjà dit. T'as raison pour ça. Lorsque je m'approchais, on t'a dit, pour pas l'olicati. Les fois, tu. Ozuya, tu t'approches. Ozuya. Tu t'approches même. Je frappe sérieusement. Voilà déjà nous passer avec un message dans ta main. Comme j'avais déjà reçu le message du Seigneur, Dieu m'a communiqué déjà la force. J'avais si à personne qui n'a ma casse. Tant que comme Yohana, lorsque la casse, là-bas, il y avait beaucoup de gens dans la parcelle. C'était comme un spectacle. Là, ce sont les saints, le tour des saints. Maintenant, j'ai dit au frère qui m'avait accompagné. Fermez les yeux, tu vas commencer à faire. Les fois, vous voulez vraiment aussi fermer les yeux? Je frappe sérieusement. Moi, je l'ai dit, n'ayez pas peur du tout. Fermez seulement les yeux. Et commençons la prière. Nous avons commencé à chanter. Jésus Azadi. Jésus est ici. Là, en fermant les yeux. On chantait Jésus est ici. Donc tant lorsque nous chantions, j'ai remarqué que le fou. À se concentrer à son yavengai. Il s'est concentré et venait à ma rencontre. Moi, je ne bougeais pas. Je le voyais, je le loquais. J'avais seulement confiance au Seigneur. Alléluia. Il venait pour me toucher. Il ne parvenait pas. Il n'a pas connu son homme. Et ses mains aussi ne parvenaient pas. Lui aussi ne parvenait pas à me toucher. J'étais seulement de moi. Il ne parvenait pas à me toucher. Il n'arrivait pas. Là, les gens étaient en train de suivre le spectacle. Et directement, il est tombé sur lui. Délivrance, c'était directement sa délivrance. A normal. Il est devenu normal. Au nom de Jésus. N'a pas quoi expliquer. Ni bon merci. Et sa folie a pris fin. Et pour Lazare, où suis-je? N'a pas mis santé pour moi. Comment suis-je devenu très sage? Mon Dieu, la main dans son poil. Eh, donnez-moi de l'eau. Je vais donner le pain au poil. Pourquoi les gens remplissent notre passé? C'est ça, on travaille avec la force que Dieu commune. Nous allons comme ça, là, là, bouillon, ça va, on peut s'amuser. Amen. Il faut donner la confiance, man. Donc, il faut avoir cette confiance-là. Yo, moi, ça la fait. Toi, tu peux être fait. Mais Dieu communique la force. Ça va, on peut s'amuser, quasiment. C'est ce qui confiance dans les rangs. C'est ça, ta confiance. Na elo konyoso toute chose. Crois que Nzamba pesa ka force. Crois que le Seigneur communique la force. Ils vont dire que ça ma casse na yota. Crois que ce n'est pas par ta propre force. Nzamba boya. Le Seigneur viendra. Et puis Nzamba longona limbongo na avant 15h30. Et puis le Seigneur avait enlevé cette folie avant 15h30. Donc il a kilt to comme kilt avant. Nous sommes allés au culte à temps. Parce que je lui avais dit à Dieu, guéris ces fous dans l'intervalle de 15h à 15h30. Comme je vais présider le culte aujourd'hui, enlève cette folie avant 15h30 afin que j'arrive à temps au culte.
culte. Et Dieu a exaucé. Et le Seigneur m'a exaucé. C'est pas facile de voir que réellement l'assemblée des saints y a encore l'église. Et les gens disent à solo assemblée des saints l'église est en train. Oui, bah croyez qu'il y a la puissance de Dieu. Ils avaient cru à la puissance de Dieu. Il faut on dit magé. Il faut croire. Les camoufles salés mais la gloire les a pour la Jésus Christ. Quelle année s'est passée mais la gloire est à Jésus Christ. Jésus a eu le coup. C'est Jésus Christ qui a été glorifié. Il est tombé. Qu'est-ce qui a été élevé? La parole au bosoté y a isa solo. Que la parole qui a prêché est la vérité. Et c'est ce qu'ils avaient témoigné. Et c'est pourquoi Ozala moyenne, que tu sois chantre prédicateur. Ozala nan. Et si camionso partout où tu es. Tu sais que l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Zala la confiance vraiment dans ta mère. Aie vraiment confiance au Seigneur. Le roi l'a dit qu'il inspire des chants. Donc il a dit qu'il est capable de la cabane. La capacité n'a été. Ne doute point, ne regarde pas tes capacités. Il manque qu'il inspire. Moi seulement qu'il inspire des gens. Bah, où il y a un peu sa cabane qui en a mis. Ceux-là qui l'inspirent, en quoi ils sont plus que toi? Et ça, c'est la Yondimi. C'est seulement toi. Psaume 149, Véronique Boyer. Psaume 149 dit ceci. Il faut nima. Il faut croire. Ne pas douter. Et tu verras le Seigneur ouvrir ces choses. Tiens comme ça. Zambé à Zalakaboko. Dieu est si grand. Zambé à Zamonene. Psaume 149. Psaume 149. L'écriture de la Bible. L'écriture dit ceci. À partir du verset premier. À partir du verset. Chantez à l'Éternel un cantique. Oyembe la kolo loyembo moko. Un cantique nouveau. Loyembo yasika. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Oyemba banzembo ne lokumu na lisanga ya bandiminaye. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Isalele asepela na kati ya pelaye. Que des sillons soient dans la grèce. À cause de leur roi. Bana yasio na basa la nseko likolo ya mokoti na bango. Awa bazotalisa la manière qu'on doit célébrer le Seigneur. Ici on montre comment est-ce qu'on doit célébrer le Seigneur. Il faut zala na confiance que Nzamba dikaka ba célébrer. Il faut avoir confiance que le Seigneur même qu'on puisse le célébrer, le louer. Nakala. Dans les temps anciens, en 1989, dans les années 1900, il y avait une parole qui sonnait à moi. Il y avait une parole qui sonnait dans mon cœur. Oh, Jésus-Christ a dit que je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur. Jésus-Christ a dit qu'il n'a pas de titre. Le Saint-Esprit. Moli mon sang. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est. Lisons ensemble avec toi. Na là même si tu m'appelles. Naza 13. Na comprends na kate. Je n'ai jamais compris cette écriture. Mais naza na foi olobagi. Mais chaque fois que tu avais dit. Tu enseigneras tout ce qui yo moli mosonde à côté à lui selon ton yonso. Je vais enseigner la bias comme ça. Si je suis venu, un autre jour je suis venu. Je suis venu, Seigneur, naïe. Je dis, Seigneur, je suis venu. Nasi naïe. Je suis déjà venu. J'ai fait la lecture d'Exode 13. Avani Botan. J'ai commencé à faire la lecture. Ces choses. Naïe bite. Je ne les ai jamais compris. Mais la zone dit que toi tu enseignes toutes choses. Mais je crois que toi tu enseignes toutes choses. La zone est là dans la chasse. Je retourne toujours dans la chasse. Je vous dis la vérité. Il y a une séminaire au sol. Le Seigneur a commencé à parler. Zambé a parlé avec Colombelangaï. Et quand c'est loco gouvernement, j'attends la voix. La voix. Qui dit que les locaux ont négé pour le bavard des affaires. Qui me dit que cette chose, comme vous la confessez, elle est fausse. Les affaires bouillent. C'est comme ça, comme ça. Je prends Jésus témoin. N'as-tu soyez soutien que les cabossembo. Parce que tu as foi à une écriture. Pourquoi tu as dit que tu as dit que cette écriture s'appliquera. Père, l'icône, il y a un écho. T'as dit ça manqua.
Il va s'appliquer, il est comme ça. Cela va s'appliquer, ça va s'appliquer. Qu'est-ce que Dieu trouve dans la Qu'est-ce que tu trouves Parfois, on se met avec légèreté. Parce qu'on prend des choses avec légèreté, la beauté. Azan a besoin de l'eau commun. Azan a besoin de la distraction. Il a besoin de quelque chose, mais c'est non plus une distraction. Mais l'eau est à la focaliser les locaux. Au lieu qu'ils soient focalisés, qu'ils soient capis. Et que Dieu voit vraiment qu'il s'est adonné. Pour un soi. Et l'eau croise à puisse recevoir ce qu'il a besoin. Azo mon amoutoza en l'air, en l'air. Donc Dieu te voit en l'air. Azo kasa kosa solution na mutu ya mabele. Il pense qu'il aura sa solution par un homme de la terre. Le Seigneur le baratota le panaye. Le Seigneur dit que confions-nous à lui. Paul azo te a dit que faites connaître à Dieu tous vos besoins. Bon, ça ne s'appelle pas pour ça la vie. Nyonso. Tout. Nyonso. Tout, je t'ai dit. Nyonso dans un seul. Et Bible dit que la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il faut savoir rendre grâce à Dieu en toutes choses. Un jour, je parlais de Dieu. Mon colombo n'a jamais dit coloma. Continue en place pour rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je suis entré dans le sujet de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Permettez-moi de dire comme j'avais dit ce jour-là, Dieu de la chair. J'avais dit même si tu te rends aux toilettes pour te soulager. Aux autres, se soulager bien. Et que tu te soulages bien. Et ça n'a pas mis ma cité pour rendre grâce à Dieu. Que ça soit parmi tes sujets de rendre grâce aussi. Est-ce que cela fait entrer dans tes prières? Tu fais mention de cela dans tes prières? Même qu'on s'est soulagé pour Même qu'on s'est soulagé dans ton corps. On s'est soulagé normalement. T'es soulagé normalement. On soumis normalement. Donc tu t'es soulagé normalement. Et ça n'a pas tout basé dans l'hôpital. Ça n'a pas plus de 6 mois. Attends, il t'en est du maladie. Il y a des gens dans des hôpitaux. Ils sont là. Ils sont là dans des hôpitaux. Ils n'arrivent pas à se soulager, ils sont sous des sondes. Donc il t'enfuit de manière que tu te vas aisément dans les toilettes. Ils sont là dans des hôpitaux. Ils sont là, nombreux. Mais est-ce que toi tu rends grâce pour cela? Alors, l'assemblée jour-là. Et ce jour-là dans l'assemblée, il s'était moqué de moi. Ça, c'était une prédication. Moi, j'ai dit, c'est la parole. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Merci. Après cette prédication, moins de deux semaines, mon quoi, ma frère a tombé malade. Un des frères est tombé malade. Azana qui peut l'assemblée. Il était aussi un frère de l'église. Ni souffrance n'a. Quelle était sa maladie? Constipation. À côté hôpital. Il est entré à l'hôpital. Ni. Quoi? Constipation avec les simatés. Yeah, mon quoi, ma frère. Un des frères qui était ce jour-là. Constipation. La constipation. Constipation. À Koufangina. Et il est mort de la constipation. Je prends Jésus à témoin. Na suis Jésus Zengeneka Bousepo. À Koufi. Il est mort. Ah, voilà la chose que j'avais dit. Voilà la chose que j'avais dit de ce jour-là. Parfois, vous t'en méprisez. Parfois, vous l'avez. Parfois, vous n'avez pas dit. C'est une petite chose. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Ça m'a suivi un exemple. Le Seigneur a pris un exemple chez l'un de leurs frères. J'ai pris ce témoin. Parce qu'il avait vu comme quelque chose de légère. Dieu, Zambé, il aime nous voir des faibles. Et donc, il m'a guéri dans ma case. Et nous croyons que c'est lui qui est fort et puissant. Dieu aime ça. Zambé, il n'a pas bongo. Que la vie n'a yo, que ma paix sa place. Que tu saches lui donner la place. Paix sa vraiment place, c'est très important. Donne-lui la place que tu lui dois, c'est très important. Et ça là, si tout n'a souci. Et aille surtout le souci. La parole aux autres, hein? La parole que nous prêchons. Seigneur, fais ça ta compréhension. Et Seigneur, donne-moi la compréhension de la parole. Et ça aussi, si je prie. Que cela soit le sujet de tes prières.
Ne sont pas ces gens-là que tu ne comprends pas ces choses. Mais on doit s'en foutre. Et tu t'en fous. Hein? Ça paye pas qu'on se sente la zambé. On se sent zambé. Sunganga ipe. On peut s'en aller au sosoli à Makambango. Que le Seigneur doit vraiment voir en toi que tu as les désirs ou les soucis d'avoir la compréhension de ces choses. Dieu ouvre l'intelligence. Zambé a fondu la gamaye la bateau. Je te dis vrai. N'as-tu pas ça au sol? Zambé fongola kamayele. Le Seigneur ouvre l'intelligence des hommes. Aza capable ya ko pesa yo compréhension na makambo na bien. Il est capable de te donner une bonne compréhension dans ces choses. Parce que ces choses sont spirituelles. Po makambo ezala kande ya molimo. Makambo tant tozolo ba yango. Ces choses lorsque nous les disons, ezala vraiment ya molimo. C'est vraiment des choses spirituelles. Et Dieu te bénisse. Zambé a pas mola yo. Et que Dieu vraiment a aidé parce qu'il a besoin d'exhorter, on a non comprendre. Et que vraiment que le Seigneur t'assiste parce que j'avais besoin de t'exhorter. Oye baké et nos cognons sont au sala kayango na makasi oyonzamba pesa. Que tu saches que nous faisons toutes choses par la force que Dieu nous communique. C'est là doit vraiment être en toi. Na talisio que ceux qui écriture et bisaki biso. Je t'avais montré que si l'écriture nous avait dit. Demandez, on vous donnera. Senda, bakupe santayo. Cherchez, vous trouverez. Luka, bokozwa. Frappez, on vous ouvrira. Betai, kuke, bakufongole la kayo. C'est la parole. Salela yango. Fukama, banda, kosenga kanzambe. Ezali liloba, applique cela et commence à demander au Seigneur. Insiste. Et insiste. Parce que c'est la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Foli kamonaza nango et fongwama. Il faut vraiment les problèmes que je puisse souffrir à Kosala. Et le Seigneur va opérer. Parce que si bien à Elata. Parce que tu lui as saisi dans les promesses. Tiens comme ça. Ça met à sa pongo. Promesse, si tu les saisis dans ses promesses, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il viendra agir. Dieu comme ça. Ça vient à sa parole. Ça a vraiment la confiance à la parole. Vraiment confiance à la parole de Dieu. Ces choses appartiennent à Dieu lui-même. Et puis il y a ça la et puis Dieu agit afin que la gloire lui soit rendue. Ce que tu peux te si tu. Il va te donner des enfants pour qu'on dise que Dieu est grand. Il a besoin de ta témoignage. Il a besoin de ce témoignage-là dans ta vie. Amen. Le Seigneur ne peut pas te les refuser. Parce qu'on va témoigner sa grandeur à lui, Dieu. Mais parfois, on a eu poussé à vraiment tes paroles. Mais parfois, il te voit, toi, tu ne t'approches pas de plus en plus de lui. Les alliés pour la gloire et la combo naïe. Parce qu'il opère des miracles pour la gloire de son propre nom. Confiance en Ezalakati Nayomi. Il faut que cette confiance soit en toi. Que la grâce du Seigneur Ezali Kolonayo. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tobandagi déjà na katia 7e, 4e saut par la grâce de Dieu. Nous avions déjà commencé à parler sur les 4e saut par la grâce du Seigneur. Na etam boli na biso. Dans notre marche. On s'est basé sur ce qui a été, c'est ce qui sera. On s'était basé sur les choses qui étaient, ce sont des choses qui seront. Total qui bouillait. On avait montré ceci. Là, ils ont une écriture auto-utilisable. Il y a des écritures que nous utilisons. Ecclésiaste 1, verset 9 et 10. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 à 10. Et puis Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. Et puis Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. Pour étaler ça avec Makambo et Zaraki, Zamba, Kuzongi, Sayan. Qui nous montre que le Seigneur ramène ce qui est passé. Et Nakati Nayango, Tozuaki. Et dans ces choses, nous avions pris des choses qui ont été. Ezalaki biloko terrestre d'abord. C'était des choses terrestres de la terre. Natango azoya kozongisa azozongisa na forme spirituelle. Et lorsqu'il vient les répandre, c'est sous forme spirituelle. Kozuinda kisa. Nous prenons un exemple. Na pak babomi agneau physique. À la fin de la Pâque, on avait tué un agneau physique. Dieu a ramené yango. Et le Seigneur a ramené cette Pâque. Azongisi agneau à quatre pattes. Le Seigneur n'a pas repris avec l'agneau naturel de quatre pattes. Mais comme Jésus. Et cela est devenu un homme. Un homme Jésus qui marchait. Azali, agneau qui était, c'est ce qui sera mené comme Jésus qui marche. Et celui qui est devenu l'agneau qui était et qui est Jésus-Christ qui marche.
Lolenge tomoni la maison de Dieu. Zambaza va descendre dans la maison. De la même manière, nous avons vu Dieu qui descendait dans son temple. Aujourd'hui, l'église est la maison du Seigneur. L'église est allée dans quoi ensemble? Dieu est en toi. Zambé a sali katina yo. Mais Ozanda quoi tongami na ba. Mais tu n'es pas une maison bâtie avec des matériaux physiques. On est bois à cèdre. Là-bas, c'était le bois de cèdre. On a utilisé ma pierre taillée. On a utilisé des pierres bien taillées. Mais tant qu'on va ramener la réalité. Mais lorsqu'on a ramené ce temple dans la réalité, il est tout un homme. Et cela est devenu tout un homme. Il faut comprendre quand on dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est quoi sous la tente le baka o ezala ne o ekoya kozala. Le Seigneur a zalaki na makambu même ni kambu ana Daniel na ko expliquer bino pourquoi zani wana ya Joseph. Et je vais vous expliquer même pourquoi Daniel et Joseph étaient élevés. Le lingi na ki élevé. Comment est-ce qu'ils étaient élevés dans le rôle des païens? C'est une politique y avoir. Ce n'est pas que tu prends cette politique. Oui, la politique. Et que tu l'amènes aussi comme politique ici. Ce n'est pas ça. Il faut savoir bien aimé. Le Seigneur a zalaki okoma prophétie na ye. Le Seigneur était en train d'écrire sa prophétie. À permettre net Joseph. Il avait permis par exemple Joseph. À Tekama. Qu'il soit vendu. À Kota na prison. Et qu'il entre en prison. Dans ma côté na prison. Lorsqu'il entre en prison. Deux serviteurs au bazaki ma chef. Na maison ya Pharaon. Bazaki na na même prison. Et deux serviteurs qui étaient des chefs dans la maison de Pharaon étaient avec lui dans la même prison. Et mon voisin qui chef à papa Niti. Et l'un était le chef de ceux qui fabriquent le pain. Mon voisin qui chef à mes chansons. Et l'autre était le chef de ceux qui servent le vin. Étant chef. Cela veut dire na service na ye. Cela veut dire que dans son service. Na cour royale. Dans la cour royale bien. Azalaki comme la tête. Il était comme la tête dans ce service là. Ezwa chef des chansons. Comprennent le chef des chansons. Oh Azalaki pour servir ma vin. C'est lui qui servait le vin dans le palais royal. Mais oh Azalaki au-dessus na bangonyonso. Mais c'est lui qui était au-dessus de tous ces gens là. Yen na kota prison. C'était lui qui était emprisonné. Aux yeux, Azako servir pain. Et tu prends celui qui fabriquait le pain. Oui, Azalaki Onesi, Azako commandité Nyonso, Azalaki na pain. Et c'est lui qui commanditait ses services dans les fabrications du pain dans la maison de Pharaon. C'était lui qui était emprisonné avec Joseph. Or, Jésus est venu dans Matthieu 26. Or, Jésus est venu dans Matthieu 26. À partir du verset 26e. À partir du verset 26, a tombé la lipa. Il a levé le pain. A le dit lipa veut dire le corps. Il a dit ce pain veut dire mon corps. Et a tombé le kenya vin. Et puis il a levé la coupe de vin. A bengango son sang. Et puis il a appelé son sang à lui. Donc batwana mi balé ba forma kamo tumoko. Or ces deux personnes la forment une seule personne. Parce que mon corps a ça comme zoto. Parce que l'un représente le corps. Mon souffle a ça comme l'âme. Et parce que les sens, c'est l'âme. Et l'autre est comme l'âme, molema, poète, maquillez à molema. Selon Lévitique 17. Selon Lévitique chapitre 17. Verset 10e à 11e. Le verset 10 à 11. Alors, quand nous avons deux prisonniers, lorsque tu vois ces deux prisonniers, qui sont des chefs, au Bazali Bakondi, Bazako Talisa, Yemoko Joseph. Donc ces deux prisonniers-là représentaient Joseph lui-même. Yemoko Mona, c'est pourquoi tu vas remarquer. Panetier. Donc il fallait que soit tué le chef de ceux qui fabriquent le pain. Dans trois jours. Nami Kolomisat. Et Oyazalaki et chanson, chef de chanson. Et c'est lui qui était le chef qui servait de vin. Une fois qu'il était à droite à quoi? Il devait rentrer juste à la droite de Pharaon. Ça expliquait Jésus. Ça expliquait Jésus-Christ. Et toutes ces deux personnes représentaient Joseph lui-même. Parce que deux services, leurs deux services se retrouvent en Jésus-Christ. Jésus-Christ a travaillé pendant trois jours. C'est pourquoi nous voyons Jésus travailler pendant trois jours. Travail à Jésus a trois jours. Le travail de Jésus, c'est pendant trois jours. Alors, on a Luc 13. Il avait dit dans Luc 13. Verset 31 à 33. Le verset 31 à 33. À le Bible, il a dit ceci. Tant que il s'agit que va quitter ici. Lorsque lui avait dit de quitter ici, tout dit encore. Nous le prenons. Ce même jour, au verset 31. Mon Koloanataka. Quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici.
car Hérode veut te tuer. Ba farisai mokona mokomoko ba ki koyi sai kende lo kwa a pointe Hérode ali ko bo mayo. Na combien avec ces 32e? Le verset 32. Il y a Luc 13. Il répondit. Pe Yesu ayano li ba. Allez. Et dit à ces renards, abengaye renard parce que Jésus-Christ a toujours dans la carte écriture. Parce qu'il l'avait appelé renard parce que Jésus parlait toujours des choses qui étaient dans l'écriture. À mon âme qui est dans la cantique 2. Jésus l'avait vu comme les renards des cantiques 2. Parce que dans la cantique 2, renard a tout dit sa vie. Parce que dans la cantique 2, les renards viennent tourmenter la vigne. Or Jésus-Christ a rebâti dans Jean 15. Or Jésus-Christ est venu dans Jean chapitre 15. Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Alors, tant que mon Hérode, lorsqu'il voit Hérode vouloir le tuer, d'après Cantique 2, c'est alors qu'il a appelé Renard. Il leur répondit : allez et dites à ce renard. Et il lui a dit : bon, qu'il ne veut pas s'envoyer. Voici, je chasse les démons. Et je fais des guérisons. Aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus appelle son ministère un ministère il y a 3 jours. Jésus appelle son ministère un ministère de 3 jours seulement. Là, azotanga un jour comme une année. Et là, il est en train de compter un jour comme une année. D'après Nombre 14. D'après l'écriture de Nombre 14. Verset 34. Le verset 34. Quand on entend la boyer, et lorsque tu remarques ces choses, il doit faire des miracles aujourd'hui, demain, le troisième jour, il faut assurer. Et c'est qu'elle dit, il doit faire des miracles aujourd'hui, demain, et le troisième jour, il devra finir. C'est la même chose tant aux hommes dans 3 jours. Et c'est la même chose lorsque nous venons là-bas chez Joseph dans 3 jours. Les panetiers, il faut un moment. Il faut que les panetiers soient pendus. Et dans 3 jours. Et dans l'économie. Et chansons, les chefs des chansons, il faut qu'il y la place à roi pour servir vin. Et la tête du chef des chansons doit être relevée pour servir le vin encore au roi Pharaon. Donc la chef des chansons. La mort n'était que pour les chefs de ceux qui fabriquent le pain. Il y a mon Pierre à Tounaki, c'est pas nos baki. Paul Pierre avait dit dans 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 18 à 21. À partir du verset 18 jusqu'à 21. Azota est ce que Christ est mort quant à la chair. Christ a koufa ne nanzo. Donc a koufi comme chef à panetier. Donc il est mort comme le chef de ceux-là qui fabriquaient le pain dans la maison. Mais quant à l'esprit, il est allé prêcher l'évangile. Kasi na molimo ya kenda ki konté à sa mamala. Et c'est par cet esprit là né à bimi pe na tombeau. Et c'est par cet esprit là aussi qu'il est sorti de la tombe. Ya motolo bakaboyi. C'est pourquoi nous disons toujours il faut notamment ka écrire na ko. Il faut que nous lisions l'écriture avec beaucoup d'attention. Lorsque les pharisiens interrogeaient le Seigneur, dans Matthieu 16, miracle ni nibino mosali. Quel miracle nous fais-tu? Yo sali. Que toi tu fais quoi? Un seul miracle. Excite-nous un seul de tes miracles. Il y a ici cette génération qui demande un miracle. Je vous donnerai le miracle du prophète Jonas. Il faut, le quoi la robine un miracle à Jonas. Comme il a parlé du miracle, des miracles de Jonas. Comprendre d'abord le miracle de Nakolobani. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le miracle. Miracle de Nakolobani, et l'on est hors de l'ordinaire. Donc, le Bikamwa, donc, et l'on est salité na ah, c'est ce qu'on appelle donc miracle ngoloba hors de l'ordinaire. Donc le miracle c'est hors de l'ordinaire pour bima de ce qui est naturel. Miracle. Comme Jésus leur avait dit qu'il leur donnera le miracle de Jonas. Il y a Jonas. De Jonas. Donc voilà Jonas a sala qui 3 jours 3 nuits. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits. Non. Ventre à poisson. Dans le ventre du grand poisson. Le lingue moko, le fils de l'homme, on sera 3 jours 3 nuits dans le sein de la terre. De la même manière, le fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il faut t'en aller de Jonas. Il faut d'abord lire le prophète. Est-ce que 3 jours 3 nuits à Jonas? Jonas a sa gare au koufa. Est-ce que 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre du poisson, Jonas était mort?
Jonas n'était pas mort dans le ventre du poisson. Et comme il n'était pas mort dans le ventre du poisson, c'est ça qui est le miracle. Normal. Donc un homme normal, s'il entre dans l'eau, trois jours et trois nuits, il doit mourir. Mais miracle, hors de l'ordinaire. Donc il a dit, à profiter. Le miracle, comme c'est hors de l'ordinaire, Jonas n'était pas mort, malgré qu'il était dans la mort. Pierre a déité que. C'est pourquoi Pierre n'a pas prêché. Que le Seigneur t'a accueilli, n'a fait à Zabokoufa. Que le Seigneur, en allant dans le séjour des morts, il était mort. Non. Pierre n'a pas dit ça. Parce qu'il savait la parole de Jésus de Matthieu. Quand à l'esprit. Il est allé. Il n'était pas mort en esprit lorsqu'il était allé dans ce jour de miracle. Et c'est ce que tu peux appeler miracle. Parce que les gens confondent beaucoup cette parole. Tombeau à Jésus, c'est une assemblée. Les tombeaux de Jésus, c'était une grotte, une grande pierre. C'est comme ici. On l'avait mis dans la grotte, une grande pierre et rocher. Mais il fallait qu'il aille dans le sein de la terre pendant trois jours et trois nuits. Comme le prophète Jonas. Comme les miracles, à vos alarmes, fatigue. Les comme il ne mourra pas. C'est ça l'écriture. Il y a un de l'iconiant. Soyez amis, beaucoup font des miracles. C'est normal. Si c'était la mort, ce ne serait pas normal. Parce qu'il est normal de mourir si on te met sous la terre. Ce n'est pas un miracle. En quoi c'est normal? C'est normal. Tout homme en la terre depuis il meurt. Mais il y a Jésus, c'est un miracle. Mais la mort de Jésus, c'est un miracle. Cela venait naître à terre, vous allez beaucoup fêter. Cela venait sous la terre, il sera vivant. Il y a encore 1 Pierre 3. C'est ça, 1 Pierre chapitre 3. Mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il est allé. A couvrir notre tour, mais nous voulons acquérir la mukilia bawa odia. On a qu'est vraiment bon oui. Là, il est allé vraiment vivant, en vie. Oh, Jonas, vous allez qui n'a ventre. Parce que Jonas était dans le ventre du poisson, mais vivant. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que bien aimé. La carte n'a rien d'autre aux autres. Tout cela nous montrant ceci. Joseph. Tu peux voir seulement Joseph. La prison. En prison. Mais tant qu'oiseau quittait prison. Mais lorsqu'il quitte la prison. A changé la vie. Il change de vêtements. A changé à dit qu'on change à Dieu les autres. Corps à l'Iboso. Ce changement de vêtements, c'est-à-dire le premier corps qui avait accepté la mort, mais le deuxième corps, ce sera le corps de gloire. Maintenant, quand il se rend là-bas, il se rend là-bas pour expliquer l'énigme ou les songes. Là, il laisse déjà la prison. Lorsqu'il explique l'énigme, mais il est en train de révéler les choses cachées. Qu'est-ce qui se passe? Père de Pharaon. C'est pourquoi il était appelé Tata Yafalo. Nous sommes là, madame. Amen. Onésie. Licolo. Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voilà, la zone soit en allégué à ce qui a été, c'est ce qui sera. Là, je pense seulement à la manière où est Salaka, où est Salaka. Dans le monde, il est à ton boami. Lorsque tu le vois être élevé. L'olégué, mon go, échasson à ton boami. De la même manière, celui qui servait le vent était élevé. La réalité, c'est l'intercession de Jésus-Christ. N'abosson les alliés, le sang pour y est, soit alliés pour ça et la vie sur la macoule. Parce que le sang de Jésus-Christ crie plus fort. Pour être maquillé, il se gâte à Kamala ou Koleka. Le sang d'Abel. C'est ça, et le chef des chansons accueillies qu'on servit encore 20 pèlerins à roi. C'est ça le signe de les chansons qui rentrent pour servir le vin auprès des pharaons. Bah, mouvement nion soit les alaki significatif. Tous ces mouvements dans la Bible avaient un sens. Dieu bénisse. Amen. Le légume comme on a Daniel. De la même manière, tu verras le prophète Daniel. À s'élever par explication et énigme. Il fut élevé par l'explication de l'énigme du songe.
L'explication énigme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, et à mon ézo élevé davantage Christ. Et ce qui élève davantage le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu te bénisse. Amen. Donc ce qui est dans Zoroba, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc quand nous disons que Zalaka, il faut veiller dans le lege Zambé à ce qu'il ne kokoki sa yango. Il faut veiller dans la manière dont Dieu marche avec leur accomplissement. Totalisa qui boye les dimanches. Les dimanches, nous avions montré ceci. Israël. On avait pris d'abord le peuple d'Israël. Israël, c'est un peuple mis à part. Selon psaume 147. Selon l'écriture de psaume 147. Le verset 17, 19 à 20. Le verset 19 à 20. Même ce qu'aujourd'hui, nombre 23. Même si tu prends nombre 23. À partir du verset 9. À partir du verset 9. C'est un peuple, une nation mise à part. On nous parle d'Israël comme une nation mise à part. Aza compté parmi les nations. Il n'est pas compté parmi les nations. Dans la Bible, je suis dans le but, les nations. Lorsqu'on parle des nations plurielles dans la Bible, le peuple, Israël, Israël n'y est pas compté. C'est comme ça la Bible. Et c'est comme ça la Bible du Seigneur. Et Dieu bénisse. Amen. Zambé a joué qu'Israël a tiré qui est à part. Le Seigneur avait pris Israël et l'a mis à part. Et tant qu'il était délivré en Égypte. Et lorsqu'il est allé le délivrer en Égypte. Cette délivrance, c'est là qu'il a pris la promesse que le Seigneur a fait qu'il n'y ait pas à. Et cette délivrance, c'était selon la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Dans Genèse 15. Dans Genèse chapitre 15. Alobaki que ta postérité et qu'aucune des bohumbu. Kitani nayo et qu'aucune des bohumbu. Mais après quatre générations, tango iniquité à Amoréens comme à son comble. Après quatre générations, lorsque l'iniquité des Amoréens aura atteint son comble. Ta postérité comme ma pour posséder les pays. Et ta postérité sortira pour posséder ces pays. Donc postérité à ceux qui possèdent pays tango iniquité à Bénémi et communali. La postérité vient posséder le pays lorsque l'iniquité des ennemis arrive à leur comble. Même les loups. Même aujourd'hui, bien sûr. Puisque posséder tant qu'il y a un enlèvement. Nous allons posséder le pays pour aller à l'enlèvement. Pour ma peine, ma bénéfice, comme on a dit tout. Parce que l'iniquité sur la terre aura accru. Ils ont déjà édicté des lois dans beaucoup de pays. On a ôté des insectes. Va permettre que les grands frères et sa petite soeur peuvent s'accoupler. Maman aussi peut s'accoupler avec son garçon. Papa aussi. Et le papa peut aussi s'accoupler avec sa fille. Et ça, loi, ma vote, ma bête, ma. Ce sont des lois qu'on a édictées et puis on les a acclamées. Un homme peut marier un chien. Donc, moi, si pas pour la moi. Une femme aussi peut se marier à un chien. J'avais vu un homme marier son cheval ou sa jument. Et donc, ils ont autorisé. Ma petite Amandela. Tu ne peux pas gêner les enfants à la maison. Moi, nous allons aller en dabou. Tu peux être avec ton enfant. Yo, papa. Il te dit papa. Naza na mi na nga, il faut que l'ambiance. J'ai mon petit ami avec qui nous devons aller. Ogokope qui ça a été yo parent. Tu ne peux pas l'interdire, lui interdire. Tu naende ogoizo ma erni. Tu dois lui poser la question légèrement. Quand est-ce que tu vas rentrer? Aebisi yo non na kozo balobi. Je vais rentrer demain matin. Là, ta jeune fille, hein? Avec mon petit ami, je vais rentrer demain. Alors, on dit que si elle est à l'aise, c'est déjà des lois votées dans des pays, d'autres pays. Moi, je suis marié. Une femme. Ah, vous voyez, monsieur, non, c'est béni. Les lots, là, vous en avez. Moi, une fois, tout à l'heure, dans ma chambre, à la côte. Dans la côte, nous avons un lobby. Dans la maison,
mardi, autour de comment est-ce que c'était passé? Ce sont des choses qui sont maintenant dans le monde. Ce sont des choses qui sont maintenant dans le monde. Pour comprendre que l'abomination est commis ma casse. Pour comprendre que l'iniquité a vraiment accru. Abomination. Des abominations sur la terre. Abomination. Des vraies abominations. Aux parents, aux parents, aux autres, aux parents, aux parents, tu es parent, tu vois ta fille en train de s'embrasser avec un garçon, tu passes, tu les salues même. Pourquoi tu as problème la police? Parce que tu auras des problèmes avec la police. Moi, ta propre vie. Tu vois l'état de la terre? C'est parce que ça parle de déjà que l'iniquité est croître. C'est parce que le Seigneur avait dit ma bébé ba et cocola ma casse. Et pourquoi m'en est dit à Sodome na gomo? Et cela arrivera comme du temps de Sodome. Yamone ma kamweza ma bébé. Et c'est ce que nous voyons sur la terre. Yamone même ça va être ce qu'Abraham. C'est pourquoi même le Seigneur avait dit à Abraham. Pour un côté, il y a postérité Abraham na ma bébé. Il y a la carte. Ta postérité puisse posséder la terre promise. Et c'est que là qui dit. Il fallait que l'iniquité des Amoréens atteigne par là. Et ça dit Nawal. Dans où ils ont gardé la justice. Lorsque toi tu vas garder la justice, tu garderas une bonne position. Tu garderas une bonne position de la parole. Parce que la classe. Parce que. Ceux qui moins en ont à 10 ans, filles nous en a 10 ans. Si ta fille a par exemple 10 ans, il faut pas y aller pour savoir qu'à propos de qu'elle en ait moins à 10. Il faut qu'on apprenne qu'elle ne peut pas rester seulement comme il ça. Faut se aller mon bal. Il faut qu'elle ait un petit ami à côté. Fille nous a 10 ans. Ta fille de 10 ans. On l'apprend à l'école. Et si on t'apprend à la maison, elle t'accuse à tout un problème. Et ça, c'est tout. Maman n'a dit qu'à. Ce qui va aller au fond d'un jour. Si elle t'accuse. Et ils ont péqué ça. Et toi, tu l'interdis de faire. Abotoli au moine, comme il y a l'état. Et la fille, elle appartient maintenant à l'état. Et comme il est dans ma belle, ce sont des lois éditées sur la terre. Ma belle est très sale. Qui les a bindo, Balingami. On redresse la tête. Redresse la tête. Tombe la haute. Garde position à foi. Et garde la foi. L'ennemi a s'emparé de ma belle. L'ennemi s'est emparé de beaucoup de gens. Des nations est très sale. Iko les a bindo, Makasi. Très très sale. Bindo, Koleka. L'iniquité a cotonda vraiment ma belle. L'iniquité a vraiment accru. Et à cause de la vérité, nous vous allons persécuter. Et à cause de la vérité, tu seras persécuté par le nom de Dieu. Pour que vous ayez maman, tu es opposé à l'ibala et à moi si, baba, la nina, moi si, mon sou. Tu ne peux pas t'opposer au mariage des lesbiennes. C'est tout un problème. Et ça, maman, n'a dit pas. Au télémeli ou bien. Tu t'opposes au mariage des gays, on te limoge, on te licencie de ton travail. C'est sur la terre. C'est parce que le Seigneur avait dit que l'iniquité croît. C'est parce que le Seigneur avait dit que l'iniquité aura accru. Bien mal, mais mal bien. Les gens vont appeler le mal bien et bien mal. Mais Bible le dit tant que comment ma camionnio sont en abord redresser la tête. Et la Bible dit lorsque vous verrez toutes ces choses, vous tombez la mitouna. Votre délivrance est comme proche. Quand vous mina Bible comme pembe. Il camba kotika nzoto, c'est ça la délivrance. Ah, laisser abandonner ce corps mortel, c'est ça la délivrance. Portez là ta corps de gloire. Vous portez le corps glorieux. Dieu bénisse. Amen. Les âmes m'a plus près. Les âmes t'a pembe inayo. Et tout le temps, et nous avions marché en Israël Azanaki na parole. Israël avait la parole. La parole le Seigneur a pensé qu'Israël. La parole que le Seigneur lui avait donnée. Et cela qui est très différent. Et cette parole était très différente avec tous les restes d'adoration de la terre. Israël a foutu la moninga ne mutute. Israël ne se prosterne pas devant son semblable homme. A foutu la kanzambe. Il ne se prosterne que devant Dieu créateur.
Le Seigneur avait considéré Israël. Le Seigneur représentait Israël comme un arbre, une vigne. Psaume 80, verset 9. À cause de cela, on avait pris Psaume 80, le verset 9. Là, Là, on avait montré que lorsque le Seigneur s'était rendu en Égypte, il avait pris un arbre. Azwaki une vigne. Azwaki vigne au manco. Aïe a bengani ba nation. Et il a chassé les nations. Dans la mabele ou ya Cana. Donc, sur la terre de Cana. Nanzela ya Josué. Par le Cana de Josué. Mais à l'oni vigne naïe. Et puis, il a planté sa vigne. On a trouvé qu'il psaume 80, verset 9. Et on avait pris pour cela psaume 80, le verset 9. Total qui maintenant Esaïe 5. On avait vu maintenant Esaïe chapitre 5. Verset 1er. Le verset 1er. Tous autant qu'il y a un bon accompagnement pour Jésus-Christ. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Esaïe 5, verset 1er. Esaïe chapitre 5, le verset 1er. L'écriture est ici, Bissouboué. L'écriture nous dit ceci. Je chanterai à mon bien-aimé. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Il y a mon bien-aimé avait une vigne sur un coton fertile. Il a remis les sols, au tas les pierres, à l'eau les mabanga, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juge entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'aille pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres nuits afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est les plans qu'ils chérissaient. Donc, avant de comprendre, sur le verset 1er, il y a Esaïe 5. Ici, nous comprenons, si vous prenez, nous prenons le verset 1er d'Esaïe 5. Balobeli vigne, il y a Zambé. On nous parle de la vigne de l'Éternel. Aujourd'hui, lumière, dans le verset 7. Tu prends son explication au verset 7. Il y a Esaïe 5, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Que la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et dans le tali, verset 2. Et lorsque tu remarques le verset 2. Zambé, à l'ongola qui m'a titi, m'a banga, o ezala qui le Seigneur avait remué le sol et a ôté des pierres qui empêchaient que l'arbre soit planté. Babylone, on y est, on revient au verset 2. Toutes les choses qu'il a dites au verset 2.
Comme le laboureur ou le cultivateur arrange le sol pour planter sa boue. Zamba lobaka de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Zamba alobaka na lolenge bele pe na ko bandela kebe. Na psaume 80 verset 9. Dans psaume 80 le verset 9. Abengi babilo konyo sa sa kolongola awa awa na verset 2e Esaïe 5. Le Seigneur a appelé toutes les choses qu'il ôtait ici dans Esaïe 5 le verset 2. Totangi angona psaume 80 verset 9e. Lisons cela dans psaume 80 le verset 9e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui avait arraché de l'Égypte une vigne. Qui a chassé des nations. Et il a planté. On a chassé des nations. Il y a un verset 2e en Esaïe 5. C'est ça, ici au verset 2 d'Esaïe 5. Il a remis les sols, autant les pierres, et il a mis un plan délicieux. Mais il a dit nous faisons bien attendre. Maintenant, apesi vigne na yona arbrena une tour. Maintenant, il a pourvu à sa vigne une tour. Tour ezali esika oyo sentinelle azala. La tour c'est le poste de la sentinelle. Et bakoki kotia pe arsenal. Et on peut aussi mettre des armes de guerre aussi là-bas. Voilà. Et la tour ezali place ya prophète. Et la tour c'est le poste ou le lieu du travail d'un prophète. Nous le voyons dans Habakkuk chapitre 2. Parce que Zamba sera qui a tika na poste na ye. Parce que le Seigneur lui avait demandé de rester à son poste. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2e. Habakkuk chapitre 2. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matin qui j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Place prophète à Zalaga. Vous voyez là où se trouve le prophète. Tour. À la tour. Tour là, ezalembomoko. Ils ont mon anapoye metali saka elembo spirituel na lolenge nzambe atombola ka mosakoli na niveau conseil na ye. Cette tour est physique mais spirituellement cela parle de la manière dont le Seigneur élève un prophète dans son conseil pour écouter sa parole. Na til état mon amakam. Afin qu'il voie aussi des choses. C'est ça le terme oyo Habakkuk a utilisé. Et c'est ça le langage qu'a utilisé le prophète Habakkuk. Et au moment en Esaïe 2. Et vous allez remarquer dans Esaïe chapitre 2. Vigne wana bapesi yango tour bapesi yango pe cuve ya mai. À cette vigne on a pourvu la tour et la cuve d'eau. Cuve ya mai eza pona kosokola, pona kobongisa, pona koede. C'était quoi la malade? La cuve d'eau, c'est pour laver, sanctifier, purifier, en fait que l'arbre puisse bien croître. Donc les deux choses qu'il a appelé ça qui? Israël. Les deux choses qu'il avait pourvues à Israël. Pour essongaïe. Pour l'aider. À produire fruits. Afin de produire des bons raisins. Et ça, sacrificature. Donc c'est la sacrificature. Il y a mon cuve. C'est ce qui représente la cuve d'eau. Et la tour, c'est la prophétie. Et l'œuvre de la prophétie comme la tour. Ma prophète. Le prophète. Mais le Seigneur a dit qu'il a espéré qu'il a commis Misambouma Yamala. Le Seigneur avait dit qu'il espérait que la vigne produirait des mauvais. Mais la vigne en a produit de mauvais. Bouyamabe, il faut dire ça. Bah, œuvre mauvaise. Donc, des mauvais fruits représentent des mauvaises œuvres. Or, la loi est mise à qui mission dans Deutéronome 28. Or, la loi nous avait dit dans Deutéronome 28. Na verset 15e. Au verset 15. Si Israël aboie qui parole. Si Israël méprise ou rejette la parole. Tangazo boit la parole. Lorsqu'il rejette la parole. C'est qu'il va produire des mauvaises œuvres. C'est-à-dire va produire des mauvaises œuvres. Makamoni ne koko melaye. Quelles sont les choses qui vont lui arriver? Ezali na ba malédiction oyo Nzambe alobi. Il y a des malédictions que le Seigneur avait dites. Na Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28. Mais tous les autres passages parmi ma malédiction. Mais nous prenons un passage parmi les malédictions prédites. Totangi yango. Nous les lisons. Na écriture et Deutéronome 28. L'écriture de Deutéronome 28. Na verset 38. Au verset 38.
Épître aux Osu, verset 49. Et nous prendrons aussi le verset 49. Suivons. Suivez-nous dans notre marche. Souci nanga nazalaka animé na lolenge ke oyeba eloko nyonso place tiami dans défendre quelque chose. Mon souci qui m'anime toujours est que tu saches placer chaque chose quand tu défends la parole. Au moins Deutéronome 28. Vous voyez Deutéronome 28. Total ici déjà dans le verset 15e, ceux qui va rejeter parole. Vous montrez déjà au verset 15 s'il rejette la parole. Verset 38e, elle dit. Le verset 38 est ici. Qui transportera sur ton champ beaucoup de semences? Et qui fera une faible récolte? Car les sauterelles la dévoreront. Donc, tant qu'Israël a colonne, lorsque Israël va s'aimer dans les champs, pour avoir qui parole, puisqu'il a rejeté la parole, ça va continuer. Le Seigneur enverra des sauterelles. Maintenant, nous voyons ces sauterelles dans Juges 6. Verset 3e. Le verset 3. Tina 4. Parce que Kuna Balomi dans verset 38e. Parce que là-bas, on dit au verset 38. Tant qu'au colonne, lorsque tu sèmeras, au gros récolte, tu auras une faible récolte. Bon anémie, bah sauterelle, bah boya. Parce que les sauterelles viendront le dévorer. Naturellement, bien aimé. Bah sauterelle, ne baya qu'à dévorer ma plante. Ce sont des sauterelles qui viennent dévorer les plantes. Mais ça a un signe. La Césalaka est le mot. Dans 8 versets 3 à 4, il y a Juges 6. Nous prenons les versets 3 et 4 de Juges 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Israël avait sémé, tant qu'Israël la Zalaki colonne, Isaac a l'olégué au Yébalobina, Deutéronome 28, verset 38. C'est textuellement comme on nous l'a dit dans Deutéronome 28, le verset 38. Et tant qu'Olona, lorsque vous allez s'aimer, bah, sauterelle, bah, ouais. Les sauterelles viendront. Maintenant, tout à l'heure, sauterelle. Maintenant, remarquons ces sauterelles. Quand Israël avait sémé, tant qu'Israël la Zalaki colonne, Madian montait avec Amalek. Maintient à Zalaki Koyana Amalek et les fils de l'Orient. N'abana disika moye bima. Et il marchait contre lui. Piba Zalaki Koya ko kundisa. Il campait en face de lui. Basalaki Koya ko fanda liboso na ye. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Basalaki ko bebisa biloko nyonso et la Zalaki na ko pesa ki. Et ne laissait en Israël ni vivre. Basalaki ko tika na Israël atelo kwa ni prédit. Ata Bate, ni peu, atabakobe, ni an, atabakunda. Pourquoi Bazalaki qu'on détruit production de l'Union Soyaïs Israël? Pourquoi on détruisait toutes les productions d'Israël? Et Bazalaki expliqué dans le verset 5, Babadina, car. Maintenant, on nous explique au verset 5, on nous donne la raison. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Voilà les gens puissants par nation. Là, ce sont des puissantes nations. Pays Madian. Donc Madian. Pays Malek. Les Amalécites. Basouya. On va détruire le pays Israël. Et les fils d'Orient venaient pour détruire. Les productions d'Israël. On a dit ces nations-là, ce sont elles des sauterelles. Pourquoi on a eu un témoignage écritif? Pourquoi j'ai pris le témoignage de cette écriture? Et ça, pour la tour facilité à comprendre le verset 38e et Deutéronome 28. C'est pour nous faciliter à comprendre le verset 38 de Deutéronome 28. Et Nicolas Barsoki, Israël a quoi qui parole? C'est là venir si Israël rejette la parole. Le Seigneur a dit que la nation va détruire. Le Seigneur envoie contre lui les nations pour détruire ses champs. Mais la prophétie, la nation va présenter comme des sauterelles. Mais dans la prophétie, ces nations sont présentées comme des sauterelles. Va présenter aussi comme banane. Comment est-ce qu'on les présente aussi? Deuxième encore Lévitique, maintenant 26. Cette fois-ci, prenons Lévitique 26. Supposons verset 14, Tina 16, il y a Lévitique 26. Si tu prends le verset 14 jusqu'à 16 de Lévitique 26. Et l'obéit que ceux qui Israël a désobéi au commandement de Dieu. Ici, Israël désobéit au commandement du Seigneur. Ceux qui a beau pour respecter la loi du Seigneur. Si Israël refuse de respecter la loi du Seigneur. Dans le verset 16, il y a Lévitique 26, ça l'obéit que. Au verset
17, il leur montre les malédictions qui leur arrivera. Alors, bientôt vu verset 22e parmi ma malédiction. Alors, nous prenons le verset 22 parmi les malédictions. Il y a Lévitique 26. De Lévitique chapitre 26. Nous les lisons. Et le bénémisou. J'enverrai contre vous les animaux des champs. Nakoti de la bino banya mazamba. Qui vous priveront de vos enfants? Oyo bakoya kosa kisabino bana na bino. Qui vous priveront de vos enfants qui détruiront vos bétails? Oyo bakobebi sa kwele na bino. Et qui vous réduiront à un petit nombre? Oyo bakolia bino pobotika la motambo moke. Et vos chemins seront déserts. Oyo bakotika na bino kotika la bisobe bato bakoza la terre. Donc awa atalisa kokotinda beba animaux de champs. Ici le Seigneur a montré qu'il enverra les bêtes de champs. Yango mena tozwa ki deux passages. C'est pourquoi nous avions pris deux passages. Daniel 7. Na Joël 1. Et Joël chapitre 1. Na Daniel 7. Dans Daniel chapitre 7. Tomoni Daniel a une toto. On a vu Daniel recevoir un songe. Amoni Banyama. Il a vu des grands animaux. Et Tomoni Nicolama. Il s'est levé de la grande mer. Yebake Banyama est Tomoni. Sache que les grands animaux qui se sont élevés. Déjà Zambé à la Kaki. Dans Lévitique 26, verset 22e. Déjà le Seigneur avait promis dans Lévitique 26, verset 22. Na kotin de la ga Israël, ba animaux de champ pour ma rejeter parole. J'enverrai contre Israël les animaux de champ puisqu'ils ont rejeté la parole. Maintenant Daniel, la vision n'a rien. Maintenant Daniel, dans sa vision, a moni premier animal comme un lion. Il a vu le premier animal semblable à un lion. Aza, animaux et à champ. Il est un animal de champ. Un animal de champ. Uh-huh. Après, il y a un ours. Après lui, après le lion, c'est l'ours qui se Après l'ours, c'est le léopard. Après, on a un quatrième animal. Après là, il a vu un quatrième animal. Mais à Luca comprendre na banyama, ça se comprendre. Mais ce quatrième animal était indescriptible. Mais après, il a donné le bomoko ya quatrième animal. Mais il n'a donné qu'un signe dans ce quatrième animal. Alors bien, ça a 10 cornes. À Salina, ma cinquième zone. Daniel a l'été. Et Daniel est passé. Et tant que l'ange avait expliqué l'animal, bah, lorsque Daniel est venu lui expliquer, l'ange est venu lui expliquer ces animaux. Le verset 17e, il y a Daniel 7. Au verset 17 de Daniel 7, elle dit, ces animaux sont quatre rois. Banyamo ya miné, no moniza bakumu miné. Quatre rois, na bataille, ça a toujours quatre royaumes. Et ces quatre rois représentent quatre royaumes de la terre. Niyama oya di boso. Le premier animal que tu as vu. Oya zaki comme lion. Qui était comme le lion. Zaki Babylone. C'était l'empire babylonien. Après Babylone. Après l'empire de Babylone. Et yaki na Médo-Perse. Il y avait l'empire Médo-Perse. Après Médo-Perse. Après l'empire Médo-Perse. Et yaki na Grèce. Il est devenu l'empire grec. Maintenant après Grèce. Après l'empire grec, Rome n'est remplaçant le pouvoir. C'était l'empire romain qui l'avait succédé. Parce que tout le monde à Rome, dans Apocalypse 13. Parce que nous voyons l'empire romain dans Apocalypse 13. Au verset premier. Au verset premier. M'a présenté la bête. On a présenté la bête. À Tomoami Nicolama. Il s'est élevé de la mer. Mais Azan a 10 cornes. Mais qui a 10 cornes. Dans cette tête. Et cette tête. Ah, 10 cornes, Ezali. Caractéristique au Daniel a pensé qu'il y a la quatrième bête. Et 10 cornes, c'était l'un des signes que Daniel nous avait donné dans la quatrième bête. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que va faire la lecture. C'est comme ça qu'on fait la lecture. Or, tu as dit que les animaux vont s'élever. Or, nous savons que les animaux vont s'élever. Le Seigneur va permettre de s'élever. Et le Seigneur qui va permettre qu'il puisse s'élever. Pour attaquer Israël aussi. Pour attaquer Israël. Dieu bénisse. Amen. Déjà parce qu'on vient déjà de dire. Comme Dieu parle de plusieurs manières. Et pas à Joël. Chez le prophète Joël. A une vision par rapport à Deutéronome 28, verset 38. Joël a reçu la vision par rapport à Deutéronome 28, le verset 38. A mon idée d'insectes. Il n'a vu que des insectes. Na verset 4e. Au verset 4. Ces choses, il faut comprendre encore très bien. Vous devrez bien comprendre. Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Verset 4e.
Le verset 4. L'écriture, tout le temps à la combe de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qu'a laissé les Gazans. Oyo Gazam a tiquita moi. La sauterelle l'a dévoré. La sauterelle a lié. Ce qu'a laissé la sauterelle. Oyo sauterelle a tiqui. Les Gélec l'a dévoré. Gélec a lié. Et ce qu'a laissé les Gélec. Oyo Gélec a tiqui. Les Asile l'a dévoré. Asile a lié. Déjà, oyé Mike, Zamba, la Kaki, qui a voté de la Bango. Déjà, tu connais que le Seigneur avait promis de leur envoyer des sauterelles. Ce qui arbre est rejeté par la loi. Si cet arbre-là rejette la parole ou la loi. Tangaki na Deutéronome 28, verset 38. On avait lu dans Deutéronome 28, le verset 38. Et dans Ésaïe 5, verset 5. Et dans Ésaïe 5, le verset 5. À sa dimension, il a fait Apolombola. La haie. Et il va enlever la clôture qui garde de la vigne. Donc, clôture les amours battent la vigne appelée Israël. Donc, la clôture qui gardait l'arbre de vigne Israël. Ezande, Ouya en Zambé, Nakatia, temple en Zambé. C'est la puissance ou la gloire de Dieu qui était dans les temples de Jérusalem. Yango, l'ongola qui a mon Ézéchiel 10. Le Seigneur avait ôté cette gloire dans Ézéchiel chapitre 10. Dieu bénisse. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que vous devrez comprendre. Mais il faut n'ayez pas pour que. Mais tu dois savoir ceci, bien-aimé. Les quatre insectes. Les quatre insectes. Basolia arbre appelé Israël. Dévore l'arbre appelé Israël. Pour Israël a dit mi parole terre. Parce que Israël n'a pas cru à la parole. Église a dit mi parole. L'église a cru à la parole. Moutoumouzo va verser au yoté. Tu ne peux pas prendre ces versets de Joël. Oya kotia mon église. Pour venir les placer aujourd'hui dans l'église. Non. Parce que les insectes yo. Parce que ces insectes bien-aimés. Mon corps. Alia kamingi fruit. L'un dévore le fruit. Moussouzo a dévoré kaba feuille. L'autre dévore le feuille. Moussou a dévoré ka écorce. D'autres dévorent le corse. Moussou alia kane na katia nzete. D'autres l'arbre dans son intérieur. Bah, donc ces quatre différents insectes. Maintenant, les quatre insectes, il y a beaucoup de quatre animaux dans Daniel 7. Maintenant, ces quatre insectes sont les quatre animaux là de Daniel chapitre 7 que nous venons de lire. Donc, tant qu'on t'a dit lorsque tu lis Gazan par exemple, ah, ben, la sauterelle, on vous dit, ben, hein? Magnonion. Magnonion. Voilà. Ouais. Maintenant, qui cherche ça va bien à ma banque. Hein? Faut cotaiser à la palolingue na yango. Hein? Omoni Gazama. Voyez ici les Gaza. Azala la sauterelle. C'est comme la sauterelle. Yemokon de lion. Donc c'est lui-même le lion de Daniel 7. Tosoko na mana. Faisons bien attendre. Mbaloba de plusieurs manières. Le Seigneur répète. Sauterelle, il y a sauterelle. La sauterelle, c'est des Joël. Il y a beaucoup dans Daniel 7 comme ours. Et c'était l'ours de Daniel chapitre 7. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Vous avez à l'obaka na balolenge bébé. Oye, il y a mis ça, Gélec. Donc le troisième insecte de Gélec. Il y a beaucoup kuna léopard. Et c'est lui là-bas comme le léopard koi. Grèce. Donc comme l'empire grec. Maintenant, oye, ça y a souka. Asile. Maintenant le asile. Yemokokuna, la bête qui a 10 corps. C'est lui là-bas la bête qui a 10 corps. Rome. L'empire romain. Autrement là maintenant. Vous suivez attention. Yemokomona t'étant où Jésus a yé. C'est pourquoi vous allez remarquer lorsque le Seigneur est venu. D'abord Jean-Baptiste. D'abord Jean-Baptiste. Azalagi nanda koyo. Colia et Zabien, il y a sacrificateur. Il était dans, une, dans la maison des sacrificateurs où on mangeait. Mais à quel aïe des sommets. Mais il s'est rendu dans les déserts. Azoliande, ma banque, il vient magnonion. Et là, il se nourrissait des sauterelles. Cela veut dire, nous étions fouets ces belles. Cela veut dire, là, on va se réjouir de la présence des gens baptisés. Bonne année. Pourquoi? Aïe, Colombo, la bangouna, papa, makaï. Parce qu'il est venu ôter ses ennemis qui les détruisent. Oui, parce que, parce que sauterelle est bien quand ils étaient. Parce que les sauterelles dévorent l'arbre. Mais maintenant, on va trouver Moutoumou Bimba. Maintenant, on a trouvé. Occupation, n'est-ce pas? Il y a comme occupation. Aussi, ça va sauterelle. Donc, manger les sauterelles. C'est qu'ils étaient fouets ces belles. Ça veut dire, l'arbre doit se réjouir.
quoi c'est fait là? L'arbre doit se cacher. Présence naïe. Parce que la présence de cet arbre. Puisque vous collez bien. Nous allons bien croître, nous l'arbre. Parce que le prophète a un signe. Parce que le prophète n'est qu'un signe. Mais Israël a compris la signe. Israël n'avait pas compris Jean-Baptiste. Ce qu'Israël a compris la signe Jean-Baptiste. Si Israël avait compris Jean-Baptiste. Et c'est là qu'il va vaincre les Romains. Il devait vaincre le Romain qui le dominait. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ le Seigneur. Bonsoir, madame. Amen. Donc, par Romain par rapport à Joël 1, verset 4. Le Romain par rapport à Joël 1, verset 4. Bandonde sauterelle de Nani. Asile. Ce sont la sauterelle qu'on appelle Asile. Quatrième. Le quatrième insecte. Kuna est la bête à 10 corps. Et là-bas, c'est dans Daniel 7, c'est la bête à 10 corps. Dans Daniel 7. Dans Daniel chapitre 7. Mais l'on connaît tous au monde. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Israël a compris Jean-Baptiste. Israël n'avait pas compris Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Israël a rejeté le Messie que Jean-Baptiste a présenté à qui? Israël a rejeté le Messie que Jean-Baptiste a présenté à qui? Quand on a rejeté, lorsqu'il a rejeté, il est comme le Baba. Qui parole? C'est là venu qu'ils ont rejeté aussi la parole. Accueilli qu'au coué, il y en a Deutéronome 28, verset 38. Maintenant, ils sont tombés dans le filet de Deutéronome 28, le verset 38. Ils font sa patine de la maman sauterelle. Il faut que le Seigneur leur envoie des sauterelles. Et Lévitique 26, verset 22. Ils sont allés tomber dans le filet de Lévitique 26, le verset 22. Il faut-il de la maman bête des choses. Le Seigneur doit envoyer contre eux de bêtes. Yahoo Jésus t'a raison contre à Jérusalem. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il entrait dans Jérusalem, dans Luc 19, verset 41 à 44. Dans Luc 19, le verset 41 à 44. Il faut savoir que le Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur avait fait pleuvoir, je récupère les minutes où je ne me faisais pas bien entendre. Luc 19, verset 41. Luc 19, le verset 41. Pour lui donner la parole. Pour aimer la parole. Par les compassions de Dieu, Dieu fait que nous puissions prêcher pendant un long moment, afin que vous appreniez les choses de Dieu. C'est toujours par la grâce de Dieu. Exactement. Luc 19, verset 41 à 44. Luc 19, le verset 41 à 44. Pourquoi cette écriture est là? Pour Israël a rejeté les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et les commandements de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Il nous m'a appelé Jésus-Christ. Mais Jean 1 le dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. L'Iloméa qui est pas malékonaïe, peu malékonaïe, bayambi et Israël a rejeté. Israël l'a rejeté. Et Jésus dans son côté, son pouce en avant à Jérusalem. Et maintenant Jésus en s'approchant de la ville. Alors dit comme il approchait de la ville, le col a senti qu'on pousse en avant bébé. Jésus en envoya plaire sur elle. Jésus n'a pas monné Kumba à l'éla qui lui colonna. Et dit, puis à l'obi. Si toi aussi, ce qui opé, au moins en ces jours, na mon kolokoyo, qui t'est donné, oui, pesa medio, qui connaissait les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Lelo, makamwane, bomba mina miso, il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront d'étranger. Et koyaka mikolo oyo bango na bakosinga ko kotia batante na bango ne ponetu. Na tawana en ce temps-là, ennemi à Israël en réalité zala ki Rome. L'ennemi d'Israël c'était l'empire romain. C'est Rome qui dirigeait la terre. Et zala ki balomande ko kamba. Yenda za comme quatrième bête ya Daniel 7. C'est lui qui est comme la quatrième bête de Daniel 7. Yenda zali quatrième insecte de Joël 1. Et c'est lui le quatrième insecte de Joël 1. C'est bon, madame. Amen. Yeme fala aya quoi attaquer Jérusalem. C'est lui qui devait venir attaquer Jérusalem. Et son motani na ba mikanda. Et si tu lis dans les chroniques les histoires, likamoye kokisama. Cette prophétie s'était accomplie. Empereur ya mokonzi ya mboka Rome. L'un des un roi de Rome, un empereur, dans l'an 70, en l'an 70, à Israël. L'empereur Titus était venu attaquer Israël. Par rapport à l'écriture, il y a Luc 19. Par rapport à l'écriture de Luc 19, la parole de Jésus. Pour ceux qui ont rejeté la parole. Parce que si tu rejettes la parole,
insecte akoya. L'insecte viendra contre toi. Si tu rejettes la parole, bête de champ akoya. Les bêtes de champ viendront contre toi. Maintenant, qu'est-ce que nous visons en marchant comme ça? Nous montrons lorsqu'il y a la quatrième bête qui règne, la quatrième bête qui a 10 cornes, c'est comme l'Empire romain. Jésus aussi était venu en ces temps-là, du temps qui règne de ces quatre royaumes. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu faire? La Bible dit qu'il lui vint. Il s'est approché du figuier pour avoir du fruit. Donc il était venu aussi avoir le fruit. Mais comme Israël n'obéissait pas la parole, il n'a pas trouvé le fruit à l'arbre dont il s'est toujours dans la quatrième étape. Toujours dans la quatrième étape. A sali l'œuvre de la croix. Il a accompli l'œuvre de la croix. Et lorsqu'il va rentrer là, Matthieu 27, verset 52 à 53. Matthieu 27, 52 et 53 nous dit: ma tombeau est sur moi. Les sépulcres des saints s'ouvrirent. Namabele et Rouen est la quatrième bête. Pendant ce temps-là sur la terre, c'était le règne de la quatrième bête. Mais dans Israël, ma tombeau est sur moi. Mais en Israël, les sépulcres des saints s'ouvrirent. D'angoisse, oui. Lorsqu'il fut ressuscité, les saints sont sortis de leur sépulcre. Me suivez attentivement. Et Paul a confirmé que, et Paul confirme de son côté, dans Éphésiens 2, verset 6 à 7, dans Éphésiens chapitre 2, 6 à 7, nous aussi, nous étions morts avec Christ, nous ressuscitons ensemble avec lui, et enlevés pour s'asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et l'Igolo va accueillir Jésus Limbota Natangoana. Cela veut dire qu'il a enlevé ses peuples pendant les temps du 80. Et la terre était entre le main du quatrième royaume. Et quatrième royaume, moi, dans l'Apocalypse 13. Et ce quatrième royaume d'Apocalypse 13. Au verset 2ème. Au verset 2. Bazo présenté Ndengeni. Comment est-ce qu'on les présente? Verset 2ème. Le verset 2. Apocalypse 13, verset 2. Apocalypse 13. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ni un mambo et un amona qui a cocané qui n'a pas coïn. Or, léopard, hasard. Troisième bête au domaine dans Daniel 7. Or, le léopard, c'est la troisième bête qu'on a vue dans Daniel 7. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ma colonne est le collet à Mgombolo. Ours, c'est la deuxième bête dans Daniel 7. L'ours, c'était la deuxième bête de Daniel 7. Et sa gueule comme une gueule de lion. Mais mon colonne est le collet à Mgombolo. Lion, sa première bête dans Daniel 7. Le lion était la première bête de Daniel 7. Et l'ingolo, ma quatrième bête, Azo Sangisa, ma trois bêtes, nous sommes en train. Renferme toutes les trois bêtes précédentes. Amen. Donc c'est comme la plénitude de Satan. Et la même manière dans les sons que nous prêchons. Vous voyez la première couleur? Cheval blanc. Le cheval blanc. Yami balé, cheval rousse. La couleur rousse. Cheval rousse. Yami sat. Troisième. Couleur noire. La couleur noire. Soko sangisi balangi misa noire. Si tu mélanges toutes ces trois couleurs, et repère sa couleur pâle. Va te donner la couleur pâle verdâtre. Yamaya Pondou. Oya mine. Quatrième couleur. Le lingue na na babette. Quatrième sangisi. Babette nyoso misa tu na katina. Et la même manière, la quatrième bête a renfermé toutes les trois bêtes précédentes. Le lingue moko ba chevaux. Et la même manière aussi avec les chevaux. Et sangisi trois chevaux nyoso na katina. Le quatrième cheval a renfermé toutes les trois couleurs précédentes de trois précédents chevaux. Nous faisons bien entendre. C'est que nous comprendre ni. Qu'est-ce que nous comprenons par là? L'étape à quatrième. Dans l'étape du quatrième. Le Seigneur a même basant toi qui n'abago du colon. Le Seigneur a enlevé les saints vers le lieu céleste. Mais tant que qui n'abasant du colon. Mais lorsqu'il a enlevé les saints, quatrième royaume est continué. Le quatrième royaume a continué la domination sur la terre. Et le quatrième royaume est à quoi est foulé Jérusalem au pied. Et c'est le quatrième royaume qui viendra encore détruire Jérusalem.
Amen. Lolenge moko quatrième son. De la même manière aussi, le quatrième son. Nakata quatrième son. Dans le quatrième son, l'inétoiles. Il y a l'enlèvement là-dedans. Et nous serons aussi enlevés. Mais nous laisserons derrière nous la continuité du quatrième saut. Et la mort viendra fouler Jérusalem. Dans Apocalypse 11. Et tu ne verras pas l'effort, tu vas comprendre facilement. Que Dieu te bénisse. Ça et colo vraiment ça est là. Vraiment que le Seigneur te fasse bien. Ça te a bon bayo surtout. Vraiment que le Seigneur te garde. Que on batte la pureté de la parole. Que tu puisses garder la pureté de la parole. Quel que soit le combat. À ta vie tout même. Au CDT. Attends ma belle comme na ma belle coléka. Même si l'iniquité a cri sur la terre. Yola na mono garder la parole. Toi de ton côté garde la parole. Témoigne la parole. Témoigne la parole. Ce qui va comme mayos. À cause de la parole. Vio ezo yawana. La vie qui vient. Et ça y a seco seco. C'est une vie éternelle. Elle est qui moi tant on a biki na madele. Elle est plus que la vie que j'ai vécue sur la terre. Wana eza bombo ya seko. C'est vraiment la vie éternelle. Ya ngoba ndeko na biso bazala liboso. C'est pourquoi nos frères qui ont vécu avant. Apôtres, les apôtres. Ba garda fidélité à parole même dans la persécution. Ils avaient gardé la fidélité de la parole même dans les persécutions. Toutes ces choses ont tozoloba. Toutes ces choses que nous disons. Eza ba bitumba to kokutana na yango. Ce sont des combats que nous allons croiser. Mais gardez position à parole. Mais garde la position de la parole. Et la Bible dit que redresser la tête car la délivrance est proche. Délivrance, on les a cotiques. Cette délivrance-là, c'est quitter ses corps mortels pour porter celui de gloire. Lorsque tu vois l'iniquité s'accroître sur la terre, donc on imite ma bête. Toi, n'imite pas le mal. Témoigne de la vérité. Témoigne la vérité. Yéba que la délivrance est encore et comme proche. Sache que la délivrance de ton corps mortel est proche. Pour que porter le corps de gloire. Il faut yéba que. Il faut savoir. Moi, si à l'autre, elle est toujours contraire à annonce à parole. La femme de l'autre regarde toujours contrairement à ce que dit la parole. L'autre, bazo memaye pour qu'elle est vers la montagne. On a mené l'autre vers la montagne. Y a zotala la si. Mais sa femme regardait derrière. Or, la femme a un corps du mari. Or, la femme, c'est le corps de l'homme. La chair, c'est la femme. La chair, ici, c'est la chair. La chair a un désir contraire à celle de l'esprit. Donc, les amis, n'a pas pensé que c'est l'un mon livre. L'ordonnance. Elle ne peut pas suivre la parole de Dieu. Il voit ta là derrière. La chair doit regarder derrière. Mais pour ça là que l'autre a dit. Mais cela fera que l'autre, le mari, puisse sortir. L'olégué mon côté détruira cette chair. De la même manière, le Seigneur détruira ton corps. A qu'on détruit la mort. Le Seigneur va le détruire. Mais pour là, ta corps de gloire qui est dans la montagne. Afin que tu portes le corps de gloire vers la montagne pour destruire. Parce que ce qui m'a appelé les huisselles. Parce que si la terre reçoit le sel, et bon, la terre n'est plus fertile en recevant le sel. C'est ça le monument de la femme et l'autre. C'est ça le signe de la femme de l'autre. Il ne faut pas les rassembler avec Lévitique. Verset 11. Le verset 11 à 16. Sel. Alliance. Pourquoi on a alliance, c'est ça le mentalisme. Et là-bas, l'alliance s'est fait en désobéissant en regardant derrière. Hein? Quelle sorte d'alliance? On a beau gagner. Dieu frappera la terre du sel. Ça met à couper ta mabéle na mungwa. C'est dit dans Marc. Les gens au bazar mabé, ils seront salés de feu. Les gens, c'est les incrédules de la terre, seront salés du feu. Dieu va frapper aussi cette chair. Zabé a coupé ta zoto. On a tombé que la délivrance n'a pas besoin d'aucun nettoie. Pour que nous vivions notre délivrance par l'enlèvement. Bisoto, ta corps de gloire. Que nous puissions porter le corps de gloire. L'enlèvement est vrai. L'inet de Zali solo. Israël, coquette Cana et Zanaki Azozonga. Israël, aller à Cana, c'était le retour. Bah, oh, yon, tout
tout cela d'Israélite qui était en Égypte et qui retournait à Égypte venait de Jacob. Ils étaient allés en Égypte, mais ils étaient. Tu retourneras au ciel parce que tu y étais. Israël, Israël allait à Cana, c'était le rêve. C'était leur terre. C'était le pays de promesse. Le Seigneur leur avait réservé. Ils avaient vraiment pris du temps. Ils retourneront dans leur pays de la promesse. Dans le pays des autres, des étrangers, trop de persécutions. Ici, dans le pays étranger, beaucoup de troubles. Ils sont remplis de désir de retourner chez nous. Nous venons du Seigneur. Nous avons le désir de voir notre roi, de voir notre époux. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur nous de chacun de nous. Que le Seigneur te garde et te protège. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Et que Kinya na Yesa le longo na yo. Et que ta paix soit avec toi. Nous prions, nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te garde devant tous les combats qui sont sur la terre. Pendant ce temps où les gens appellent le mal le bien, quand tu vas appeler le bien, bien tel qu'il est, ma paix, le mal, tu diras que c'est le mal. La Bible dit qu'on vous haïra à cause de la vérité. Mais pour tenir ferme, dans tous les combats que nous croisons sur la terre, si elle est Dieu, grâce Jésus. C'est toi qui es le Dieu de paix. Je te témoigne parce que tu es la véritable lumière. En dehors de toi, il n'y a point un autre roi. Seigneur, saisis-moi dans ces voyages afin que je confesse ton nom. Préserve aussi tout un chacun de nous. Devant tout le combat du mal sur la terre. Abattez la vérité. Qu'il puisse garder la vérité. Assois grâce, la force aux âmes pour communiquer. Puisse obtenir la grâce et la force dans la force que tu communiques. Qu'il y en ait ça dans la mort qu'on a encore. Que ta paix soit avec nous. Que tous les vents des ténèbres jouent. Que tous les programmes. Mais que ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Je repose aux maladies. Forme sa maladie. Toute forme de maladie. Nazali comprendre que ton nom Jésus est au-dessus de tout nom. Je crois que ton nom est au-dessus de tout nom. Mi pepe na maladie na l'ogolia. Tout vent de maladie, je n'en sais pas. Tu écoutes la prière de ma soeur. Le sang à mon frère. La prière de mon frère. Ozo ka besoin. Et tu écoutes son besoin. Ezala zola na en ligne. Que ça soit qui nous suit en ligne. Azala exaucé. Au nom de Jésus, grâce à l'éternité, que ta grâce se manifeste. Autorité dans les salamines. Que ton autorité fasse les grandes choses. Au nom de Jésus Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Pour la grâce. Merci pour la bisouki. Merci pour l'assistance. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Qui met encore les âmes à mon corps. Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun.